Les éliminations s'enchaînent dans l'Event 79 des World Series of Poker et les tables se vident à toute vitesse. Tout le contraire du tapis d'Ivandera, qui n'en finit pas de grimper et domine maintenant le classement en milieu de D2, alors qu'il ne reste plus que 67 joueurs. Allez Ivan, on continue de mettre la pression. Les suites Open UTG plus 2. Il n'y a pas de très très bon joueur dans les blindes. J'aime bien flat ici. Je joue en position. Ouais, parfait. On est mettre en plus, donc je vais pas trop bête. Et je vais éviter de jouer des gros gros pots contre lui. Deuxième paire, pas une jouabilité incroyable. C'est pas mal que ça check jusqu'à moi, je check back tranquillement. Il y a des as dans les deux ranges encore. Et j'ai pas besoin de tant de protection que ça. Maintenant qu'il check rapidement, je pense que je suis très souvent devant. Même si encore quelques fois des deux rois, deux dames avec un trèfle. C'est assez mixé. Je pense que je peux bet pour protect contre des paires plus trèfles en big blind. Et je peux check back aussi, sachant que la river va souvent être une blanque. Joueur en big blind qui est assez cher, je pense que c'est vraiment pas du tout le profil à bluff. Il peut avoir encore beaucoup d'as qu'il aurait check deux fois. Il peut avoir roi dame, il peut avoir 10 et 7, il peut avoir valet 10. Ouais, c'est surtout qu'en fait, on voit pas trop de bluff. Sachant que moi-même je peux avoir valet 10, peut-être 2-10. De ce profil là fold. Moi j'ai perdu quelques pots là depuis un moment, mais toujours un très gros stack, donc pas de précipitation. Après il y a Damien qui arrive à la table depuis. Ce joueur qui a shove le même spot juste avant, il y a eu miss deal. Il avait montré paire de 6 je crois. Et là il re-shove du coup le même spot. Et il dit avoir des cartes un peu plus au-dessus que la main d'avant. Ça représente... Ah bah tiens, ça c'est moi qui ai paire de 6. On va se payer, il a 6 blindes. Là il a As 10 off. Un standard. Ok, un petit pot de plus qui s'en va. Acceptation totale. C'est pas les... ceux-là qu'il faut passer, c'est pas les plus importants. Ouais, c'est ça qui est cool d'avoir un gros stack aussi. Je peux me permettre de perdre tous ces pots, y a aucun problème. Surtout que bon, la décision était facile. Allez, on va attendre les bons spots. L'ambiance est toujours chill à table, on rigole. Je me lève un peu là, souffler un coup, bouger un peu. Je dois avoir
Ouais, un peu match. J'ai perdu 2-3 quoi, tapis, j'étais devant. J'étais des petits coups. 50. Et du coup, c'est je vais casser, break, je crois, là. À la fin du prochain niveau, c'est ça? Ouais. Ah, vous avez pris un peu de retard avec la bulle, alors? Ouais, il y a moyen. Je pense que j'ai pas regardé l'heure. Parce que là, c'est dans 1 heure pile. 15h. Donc, c'est une demi-heure de retard par rapport. Tu veux faire quoi? Tu ouais, c'est ramener, ça se termine à la fin du niveau 19. Du coup, à 21h, tu veux faire quoi? Tu veux que je te ramène chez toi ou t'as envie de manger un bout? T'en penses? Je sais pas si j'ai le temps, en fait, en 1 heure. C'est un peu... Bah, je pour aller chez toi, on va mettre 10 minutes. T'as 40 minutes, après, je sais pas si t'as... Ou alors, tu commandes un truc et tu l'emmènes pour manger chez toi, ou alors... Le problème, c'est qu'on a plus la chambre. Ouais, je sais. C'est aujourd'hui, quoi. Non, donc, mais je mangerai plus tard, je pense. Romain, il est en train de dérouler là-bas. Il a repris, là, ouais, ça se passe 7, bien. Il 6, là. Ah ouais. Il a gagné 2 rois contre Asvalet. Il a plus de 200, il a presque 200 même. C'est combien, left? Ils sont 180 left. Oh, ça devient intéressant. Et ouais, ça se passe. C'est bien, vous m'avez fait un tir groupé. Ouais. Comment il s'appelle le mec avec ses lunettes, les cheveux blancs? On l'a vu beaucoup, lui, non? Tu vois qui c'est quoi? Ouais, mais il, stack, il me disait qu'il stackait Adrien et tout sur les million one drop. Ah, c'est ça, c'est lui. Ouais, je crois que c'est un, il Norvégien qui est en Espagne, je crois. Ah, ok. Il est énorme, il fait, il ben fait ouais, trop mal. Que j'ai arrivé à ta table, il est en train de jouer. Ah, il clique, il fait que cliquer. Et du coup, tes prochaines tables à casser alors, tu dis? Ouais, sauf si c'est là, je sais pas. Mais... C'est pas plus mal. J'ai pas une position confortable. J'ai 3-4 shorts, 3 shorts à gauche. Ouais, ça réchauffe. Et celui qui est debout là, c'est un des meilleurs joueurs. Pro Beer, c'est online, ouais. Comment ça s'appelle? Online, c'est Pro Beer, sinon c'est Nemeth. Ouais, c'est ça. Un hongrois. Anders Nemeth, non? C'est ça? Pas Anders Nemeth. Comment je vais faire André à Nemeth? Ouais, c'est ça, ça, je crois que c'est ça. Du coup, si on ne progresse pas, je t'ai fait un spot habituel à 21h. Parfait, je te remercie. Jamie. C'est parfait de faire le point avec Steph. Toute la journée est déjà planifiée. On n'a pas à se préoccuper. Dinner break, tout ça, là on vient de mettre ça en place, donc j'irai tranquillement me reposer à la room. Et nouvelle table encore, pas plus mal. Good luck les gars, see you later. Bon, il reste encore quand même 3 niveaux à jouer avant le dinner break, il me semble. Ouais, je suis juste derrière. Hello. Ce qui veut probablement dire que je vais casser bientôt encore. Il y a Damien qui me suit derrière en face, sinon je ne connais personne. À part le joueur qui est en train de parler avec le sweat bleu, je l'ai déjà vu. Je crois que c'est un joueur américain. J'avais déjà joué un peu et j'avais vu faire quelques petites erreurs. Donc cette table m'a l'air plutôt pas mal. Gros stack à table. Donc ce joueur dont je parlais, qui open cutoff, j'ai Roi Valley off en small blind. Il y a quelque chose comme 25 blindes, 150 000. Je pense que je flatte si le joueur en big blind a l'air. Je pense qu'il va beaucoup moins squeeze que ce qu'il devrait. Et je garde les mains dominées quand je vais faire top pair ici. Je garde toutes les mains dominées, donc c'est pas mal. En plus, si je 3 bet, il va 4 bet shove toutes ses pocket pairs, probablement. Donc je jette pas mal d'équité.
Je préférais 3 bêtes folles, roi 10 off. Ici, là, je fais top pair. On va probablement ces bet range assez petit. Moi, je suis clairement top de range maintenant. Ça va être un tiers comme prévu. Je peux check raise tout de suite. La question, c'est avec quelle main je vais check raise en bluff ici. Sûrement As-4 de trèfle, As-5 de trèfle. En value, je vais avoir mes As-6 de carreau. Mais j'ai pas tant de bluff que ça non plus. Il peut barrel pas mal. Je vais garder quelques rois dans ma range de check call aussi pour le laisser bluff. Et par exemple, 9 et 10 de trèfle, Dame 10. Ces mains qui vont barrel sur beaucoup de turns. Là, c'est une blanque complet. Je suis quand même top de range de maintenant quand j'ai check call. J'ai encore des SI, quelques SI dans ma range. Je pense que j'aurai 3 bet call, peut-être 2-7 plus. Donc, je peux avoir paire de 4, paire de 5, paire de 6 aussi. Bon là top 2 c'est nuts, c'est maintenant lui dans sa range, je pense qu'il a pas mal de SI. Peut-être des paires comme 2-8, 2-9, 2-10. Je suis pas trop droit, je pense qu'il aurait souvent 2 barrels, à part peut-être des rois très faibles. Mais du fait que j'en ai un aussi, j'en bloque. Donc je vais opter pour un petit sizing pour être sûr de me faire call par 2-8, 2-9, 2-10 majoritairement, et peut-être induce des raise bluff en se disant que j'aurai toujours check raise un roi au flop. Il lui reste plus grand chose derrière. Après, je vois pas trop quelle main il peut raise en bluff non plus. Par des peut-être random combos, des As-10 ou... Je sais pas, je pense qu'il hésite surtout à call à ce moment-là. L'air d'avoir une grosse décision. De 7, je pense qu'il aurait 2 barrels aussi. Il reste un combo de 2 valets, mais de toute façon là... ouais, il raise. 90 000, est-ce que je reshove ou pas? Je pense que je vais just call. Il me reste quasiment rien derrière de toute façon. Ouais, je veux pas trop. 3-10 off. Ok. Ouais, c'est intéressant. Après, j'ai pas trop. Pas tant que ça de roi moins bon. Je suis pas sûr de flat roi 4 suité ou roi 5 suité pré-flop. Mais je suis pas sûr de call non plus avec roi 8, roi 9 sur un raise river. C'est bien value cut, c'est du fait de mon petit sizing aussi. Je peux dire que j'avais des mains comme peut-être As Valet qui fait le Valet River et que je pouvais me level à call. Mais en tout cas c'est pris. Maintenant il shove avec 5 blindes. As-7 off,
Ouais, pas de range de call, je pense. Il reste que pas beaucoup de joueurs à parler derrière, donc. Bon, il a As-9, assez standard. Pourquoi pas un petit split à la limite. Allez, je prends. C'est vraiment des petits pots. Mais ça fait plaisir. Assez frais dans cette pavillon, plus beaucoup de joueurs. Bien fait de prendre la veste au final. La suite off, parfait. Un peu le ball range d'open, mais pas trop de résistance en face. Joueur qui a à peu près le même stack que moi, 500, 600 000. Il a joué pas mal de mains depuis que je suis arrivé à table. Voilà, passé dry, je vais essayer bet poky à peu près toute ma range ici. Turn 6, c'est pas forcément une carte que je vais deuxième barrel malgré ma gut shot. Parce que ça avantage plus sa range, il a plus de 2 paires. Il a beaucoup de mains comme 5-7, 4 et 7 qui ne va pas fold. Ou 5 et 3, ou des mains comme ça. Et alors 8 et il bet. Il bet petit donc j'ai une très belle cote. Je suis assez haut dans ma range et surtout je pense qu'il peut se value cut au final, même si je vois pas trop l'intérêt de mettre un 5, un 6 parce que je jamais call au Thoras par exemple. On va voir, il peut avoir des dames. 6 et 3 suité, ouais je pense que je check sa place river. Il a joué assez rapidement. C'est un peu le genre de profil à jouer rapidement et bet sans trop savoir pourquoi. Sans vraiment étudier les ranges en profondeur. Donc je mets ça de côté et je m'en servirai plus tard. Là, cette table est vraiment belle. Je retrouve blind versus blind, 10 et 6 suité. C'est une main que je vais limper quasiment tout le temps. Alors qu'il snap check, il a quelque chose comme 150 000, 25 blindes. 8-8-3 rainbow, je peux check call, je peux check raise, je peux bet, c'est assez intéressant, je peux tout faire ici. Mais vu qu'il a snap check pré-flop, je vais prendre l'initiative, limite essayer de lui faire fold un 3 sur certains turns. Là, ce qui m'ouvre un flush draw. Je pense que je vais de barrel ici, faire fold des King Eye. Je connais pas trop le joueur encore, mais peut-être qu'il peut fold un 3 si vraiment il est très tight. Et dans tous les cas, j'ai toujours beaucoup d'équité. Sauf s'il a Roi X-Pic ou ça reste peu de combos.
peux encore avoir des 8 bien sûr. Mais de toute façon j'ai pas check fold ou check call ici donc un petit demi-pot pourra suffire pour lui faire fold pas mal de mains qui sont devant. Rapidement des yeux, pas trop comment l'interpréter. Ouais. Il va être assez embêté dans ce coup-là. Un petit pot en plus. C'est l'heure de ce bon vieux dinner break d'une heure. Donc quelque chose comme 35-40 left. Et tout se passe bien encore. J'ai eu un petit coup de mou. Au milieu du day, mais ça va. T'as changé de table alors juste quand je suis passé. Ouais, là c'est parfait. Une bonne table. T'as qui? J'ai au moins 4 joueurs récréatifs. Nice. Je les connais pas. Il n'y a pas forcément de joueurs hyper forts. Quand je vois les autres tables, il y a des top regs. Et on casse dans 2 ou 3 tables donc ça va. Vous êtes combien left? 42. Ouais. Vous avez dit quoi au niveau stratégie? Bon, je vais jouer un peu plus agressif qu'à l'accoutumée. Je vais larger un peu mes ranges vu que ça va pas assez. D'ailleurs ça va passer une 3 bêtes, pas assez restyle. J'ai les 4. Ouais, j'ai 3 joueurs récréatifs à ma gauche. Okay. Et après il y a un règle mais ça va. Pour l'instant j'ai eu quasiment aucun spot compliqué quoi. Depuis même le début du tournoi j'ai envie de dire. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai eu tout le temps 2 average jusqu'à maintenant quoi. Après je sais que ça va, il y aura des périodes bien. Forcément me retrouver un moment ou un autre à 30 blindes quoi. C'est ouais. Quasiment automatique. Ouais, oui ou peut-être pas, mais en tout cas c'est sûr que c'est bien d'être préparé à ouais, voilà. Scénarios différents, ça c'est sûr. Normalement je commence à. J'ai fait 670-450. C'était standard ça, je pouvais. Ouais. C'était des coups à tapis, des machins. J'étais prêt, tu vois. Ouais. Ouais. Après c'est ça, c'est la clé effectivement, c'est de... parce que plus on avance dans le tournoi, plus il faut être prêt justement à tous ces scénarios. Ouais, si t'as été très deep tout le temps, que d'un coup tu te prends un sale coup et que maintenant vous êtes loin dans le tournoi, là, tu vas avoir l'impression qu'il fait très très mal alors que en vérité c'est juste, ça fait partie de la fluctuation, mais ouais, c'est ça. L'impact va être plus fort comme il reste sur un niveau. Et ça tu as quand même, enfin moi là, c'est que t'as l'air d'être vraiment très très en place là. Ouais, ouais, bah on connaît à force. Et... Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai même pas eu de. Pas été stressé ou quoi. Je pense que comment t'as géré toutes les ventes séries, je te vois. Ouais, c'est vrai. Reposé, quoi. Encore du calme, du silence, du repos. C'est un peu ça que je recherchais en venant ici tout seul, donc. On n'a plus la room au Rio, donc le repos se fera ici et 20-30 minutes, ça fait pas de mal. Allez, requinquer, ça fait du bien. Je mangerai un peu plus tard. Là, les joueurs vont être sur la digestion et vont un peu subir le post dinner break. Frais comme un gardon. Alors, c'est pour aller au Rhino, s'il vous plaît. Vous connaissez le chemin, j'imagine. Allez, frais comme un gardon, effectivement. Je me sens bien. Je sens que là, il y a pas mal d'edge à avoir aussi sur ces fins de day. Mon stack est pas mal, mais c'est un de mes objectifs aujourd'hui aussi, c'est d'accepter les fluctuations. Donc je sais que tôt ou tard, je vais forcément descendre à 30, 20 blindes. Faut que je sois prêt à accepter ça. Les scénarios peuvent être très cruels parfois au poker, mais
ça fait partie du métier et c'est aussi là où il y a de l'edge à avoir. Et maintenant, avec l'expérience, je suis chaud. Vraiment que nous dans cette room. Il y a aussi le main qui joue en ce moment et Romain a vraiment un énorme stack là. Il doit être dans les chip leaders. 150 left, ça c'est incroyable. J'y crois dur comme fer. Et pourquoi pas le doubler? Ça serait beaucoup trop. Mais allez, je me reconcentre. Quelques heures encore aujourd'hui, elles seront très importantes. Sachant qu'on va finir le day, on sera à peu près une vingtaine de joueurs. Donc allez. Go. Je crois que j'ai la plus belle table du tournoi là à ce moment-là. Des joueurs assez tight, donc avec mon stack je vais pouvoir en profiter. J'ai oublié qu'il faisait froid ici. C'est pas la chaleur extérieure. Ouais, j'aperçois Pat qui est encore dans le tournoi. Patrick Léonard, un des tout meilleurs joueurs. Mais quand je vois à peu près le reste du field dans son ensemble, c'est vraiment beau quoi. Pour un 3000$. Même là, l'étape que j'ai jusqu'à présent, c'était quand même de la bonne croustillade. Donc allez, 4000, 8000. C'est parti. Set off, je veux pas l'open forcément tout le temps, mais... Là, je peux abuser du spot. C'est vrai qu'Hijack, c'est un peu ambitieux. Mais je pense que ça gagne de l'argent contre ces joueurs. En plus, le joueur bon est en small blind, lui. Il a pratiqué du beau poker depuis que je suis arrivé. Et le joueur en big blind me fait pas du tout peur. Et ce joueur qui a joué vraiment très peu de mains, qui me flatte. Donc je pense qu'il a une range assez tight. Et wow. Là c'est intéressant. Il y a quelque chose comme 20 blindes. Sa range c'est pas mal de Broadway. Encore des valets 10 suitées, des mains comme ça encore. Et vu que j'ai énormément d'équité et qu'il est assez tight, je pense que 2 barrel shove est très bon pour lui faire fold même des 8 et 9 suités au turn, des 10. Et dans tous les cas, j'aurai toujours de l'équité. Donc je vais faire assez cher pour avoir moins qu'un pot au turn. En plus, ça peut peut-être l'induce à shove roi dame off avec un carreau par exemple. De valet plus, il aurait 3 bêtes chauves. De 8, de 10 aussi. Bon, il a quelques flushs, mais ça représente très très peu de combos. Mal à maîtriser. Les jetons, il s'est trompé de couleur. Ouais, reste concentré. Astern, alors là, ça change tout. Maintenant, est-ce que j'ai un intérêt à bet? Je pense pas. Vu qu'on a moins d'impôts, j'ai pas envie de faire fold indice maintenant, je vais garder ces mains-là. Avec l'as de carreau, je suis bien devant. Peut-être qu'il peut se chauffer à bluff des dames valley off. Ouais, à ce point, c'est vraiment pas le profil à bluff du tout. Snap check, ça représente bien un 10. Des As, il peut avoir As suite suité peut-être. Peut-être As 10. Si on n'a pas 3 bêtes pré-flop. All-in. Mais là, je pense que je vais bet petit pour value contre un 10.
suis assez haut dans ma range. On va voir si c'est une calling station ou pas. Peut-être qu'il peut call 8 et 9 suité. Ou... des mains comme ça en se disant que j'ai des Broadway. Call, il monte rapidement, c'est... ouais, As-10 suité. Ouais, voilà, ça en dit long long sur, sur son profil. C'est-à-dire qu'avec 20 blindes ici, il a pas risqué le préflop déjà. Et il a snap check back quasiment le turn avec top 2. Hello. No. Bonne chance. Merci. Ce joueur qui vient d'arriver à droite qui me dit bonne chance, je crois que j'ai déjà aperçu, mais je pourrais pas lui donner un nom. Il a l'air très cool en tout cas. Du coup, ouais, je vais garder ça en tête contre ce joueur à ma gauche. C'est assez surprenant ce snap check back turn. Et pour le coup, j'ai vraiment perdu le minimum, j'aurais pu tout y laisser. Oh. 8-9 routé, ça suffit. Il met une bonne ambiance à table. C'est toujours plaisant. Ok, genre bouton qui flatte beaucoup. On a un gros stack tous les deux, une main comme ça, deep, c'est intéressant. Ce joueur qui a remonté quelques jetons depuis tout à l'heure, mais qui est toujours short stack, qui just call alors qu'il y aurait vraiment plus grand chose derrière. 6-2, le 6-2 carreau, intéressant. Je vais c-bet ici, j'ai une très bonne main avec énormément de backdoor. Surtout que bon, y a moins d'as en face. Bouton snap fold, lui qui a hésité pré-flop. Il a un petit jeton de 25 000 quand même, il a peut-être plus que ce que je pensais. Mais je m'attends à ce qu'il squeeze shove beaucoup d'as en fait. Et je bloque ses meilleurs as qui sont as 8 suité, as 9 suité. As 8 off, as 9 off, je pense qu'il fold pré-flop. Turn 3 qui change rien, je vois pas. Il y a 110 000 dans le pot et il y a environ 110 000, j'ai l'impression. Là, il a une range vraiment capée. Peut-être qu'il a des 6 et 7 suités, des mains comme ça. Mais je pense qu'il chauffe As-10 plus préflop. Je bloque As-8, As-9, qui sont ses meilleures mains ici. 2-6, il aurait chauffe préflop. Donc moi j'ai un avantage de range assez conséquent vu que j'ai tous les As. As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi que lui n'a pas. Peut-être qu'il peut avoir un low flush draw, mais je vais bet ici. Dans l'optique de 3 barrels sur quasiment toutes les rivers. Sauf peut-être les piques. Peut-être qu'il aurait check raise des flush draw au flop aussi. Moins sûr vu qu'il y a l'as. Je vais m'en suivre à mon plan. En plus, je sais bet 3 way au flop donc ça représente encore plus de force. Et c'est dur d'avoir des bluffs naturels ici. C'est dur de me mettre sur des bluffs quoi. Pour avoir des flush draw aussi.
l'air vraiment embêté quoi. Bouge. Ouais, il a l'air vraiment quelque tel. Bon là s'il colle du coup je pense que je vais 3 barrels tous les jours. Hein. Ah, il a encore un tel vraiment gêné dans ce spot. Ça peut être des 9 et 10 de pique. Je vais aller 10 de pique. J'aurais bien des mains comme ça. Où il peut pas shove parce qu'il pense pas avoir de fold equity. Mais il pense avoir une trop bonne équité pour call aussi, donc au final il colle. Maintenant sur un roi, parfait pour moi. Je suis même pas sûr qu'il colle par exemple roi 10 de pique ou des mains comme ça. Je vais shove ici même s'il lui reste plus grand chose et qu'il a une bonne cote. C'est vraiment dur de trouver des bluffs dans ma range. Et en plus ici je vais sin value même As-10. Donc ça fait beaucoup plus de combos de value quand même que de combos de bluff. Pas sûr en plus de que ce soit un beau combo de bluff, par exemple si j'ai des valets 10 de pique, dame 10 de pique. Est-ce que je bloque les mains qui call fold? Donc là j'ai vraiment un des meilleurs combos. Il reste vraiment ouais, 70 000 derrière. Mais bon. Je vais suivre le plan dans lequel je suis parti depuis le début. Et c'est l'intégralité. Demander. Ah, ça fait plaisir ça. Il faut le rapidement. Ah, un bon spot de bluff qui passe. Ça remet bien en confiance. Tire à ce roi de trèfle. Tranquillement. Nice. Joueur qui flatte encore. C'est vraiment le profil à jouer énormément de mains et. Jouer fit or fold post flop, donc il va pas me mettre dans des coups compliqués, il va plutôt jouer ses cartes. Et on se retrouve à 3 avec la big blind qui a l'air d'être beaucoup plus compétent. Voilà, celle-là elle est belle. Surtout après avoir 3 barrels sans qu'on voit mes cartes. Là on va partir dans la même optique, j'ai besoin de protect. Je bloque un peu les mains qui vont me coller sur 3 barrels, mais c'est pas grave. Et encore des As-Dames, As-Valet en face, des flush draw, etc. 22 000, ça m'a l'air pas mal, un tiers pot. Profil qui est assez calling station. Là le plan ça va être de 3 barrels. Je pense vraiment plus qu'il fold un as au turn avec le flush draw. Même un roi c'est pas sûr qu'il passe.
Donc là, je vais faire plus cher pour maximiser ma value sur le turn. Donc il y a encore quelques scared river qui peuvent ralentir l'action. Et surtout, si j'estime qu'il colle maintenant tous ses as, ça lui donnera encore plus une meilleure cote river pour call, c'est quand je fais cher au turn. Et là, pour le coup, je peux avoir pas mal de bluffs aussi. Les dames valets. Ok, il colle quand même assez rapidement. Derrière, il lui reste quelque chose comme 300 000. Au pot, on arrive à 260 000. La river parfaite, c'est une blanque totale. Il peut s'attendre à ce que je bluffe encore. Franchement, je le vois très rarement fold un as ici. Bon, il va fold ses rois maintenant. Mais sur n'importe quel sizing, à mon avis, il fold un roi, donc je vais target ses as et opter pour un assez gros sizing. C'est vraiment pas le profil à bluff. Je pourrais check, quoi, mais je sais même pas s'il va bluff dame valet de pique ou des mains comme ça. Il va under bluff si je check. Et il peut avoir des... Je sais pas, peut-être 8 et 9 de pique, mais comme ça, qui vont... Il va pas transformer en bluff, donc il va check back ses associés, donc je vais partir pour value un maximum contre ses as. Dans un gros sizing sans faire tapis non plus, j'ai vraiment pas envie qu'il fold. Après je mets quand même une énorme partie de son stack. Peut-être un poil gourmand. Étant donné que je bloque quand même les mains qui me collent. Peut-être faire un peu moins cher en exploit, mais vu l'image que j'ai, il peut vraiment se lever là, à mon avis. Allez, s'il arrive à call, ce serait magnifique. Il va jamais re-raise. Bon, re-raise avant 2-7 sûrement. Et là, il a l'air assez embêté. Bon, je suis très serein. C'est quand même un beau parpaing que j'ai envoyé là. Une grosse couscoussière. Il joue quasiment son tournoi sur ce coup là. Ouais. Je peux peut-être bet un peu moins cher. Avoir plus de chances de me faire payer, mais vu le profil, ça me va. Ok, dommage. Encore un pot de prix, décidément. Ça fait du bien. Ça fait combien toute cette histoire? Environ une centaine de blindes. Jamais eu autant de stacks, donc... C'est parfait. Ça peut encore aller très vite. Dans les deux sens. Tes épisodes se suivent et se ressemblent, Ivan. Mais on ne risque pas de s'en plaindre, car cela veut juste dire que tu continues de trouver des belles mains, de construire des bluffs millimétrés et d'augmenter ton tapis. Il reste 30 joueurs dans cette épreuve de No Limit Hold'em à 3 000 $, et avec un stack de 843 000, plus de 100 blindes, tu restes plus que jamais chip leader. C'est très très réjouissant, et cela nous rend encore plus impatients de découvrir la suite de tes exploits, dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.